Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de God of War. J'allais dire un nouvel épisode de Kratos, mais pourquoi pas, hein, Kratos est avec nous. Donc on continue, voilà, je me suis arrêtée exactement ici. Je vois un truc déjà qui brille là-bas. Je suis allée... Oh, ça va être un visage en plus. Oh, bien vu. 4 sur 9. 4 sur 9. J'ai vu sur Twitter des gens qui ont déjà platiné le jeu. Il est taré. Qu'est-ce que c'est? Atreus. Regarde. Oh, n'y va pas. Il y a des runes sur le côté. Ça gosse. Ah, attendez, il y a un truc. Là, on peut monter là, donc il y a forcément quelque chose. Ça peut être fait pour les chiens. L'objet déchiffre ces runes. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ce que nous sommes à deux, à trois, mais que je ne peux être seul. Une énigme. Il y a peut-être un indice quelque part. Oh là. Bah oui, ça. Les cercles tournent. Redescends. C'est quoi qu'on a au sol? Moi j'ai envie de remonter pour avoir une meilleure vue. Parce que ça s'arrête pas donc. Ah, je parie que tu pourrais geler ces rouages si tu voulais. Ah, je le sais, ouais, mais attends. Je cherche juste. Ah, je suis obligée de descendre, d'accord. Je suis pas assez près aussi. Ok, ok, pas de soucis. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. On va faire le milieu d'abord. Par contre, ouais. Je crois que cette partie est en place. Voilà. Ok. C'est le tour, ok, on va faire le tour, c'est pas grave. Voilà. Je vois les runes. Atreus, que disent ces runes? Oh, ça dit famille. C'est pas un indice, c'est la réponse. Ce que je ne peux être seul. Tu vois? Prends ton couteau et trace les runes dans le sable. Vraiment? Kinslos. Il s'est passé quelque chose. Ah. Il sort bien quand même le gamin. Ça a marché. Waouh. C'est The Port, hein. Attention, ça rigole pas là. Je suis contente d'avoir rencontré Brock. Mais je suis encore plus contente de quitter cet endroit. C'est derrière nous maintenant. Ok. Un visage, 5 sur 9, impeccable. Impeccable. Voilà. Là-haut? Bon, c'est rien, c'est juste... le ciel. De la vie, pourquoi il me donne de la vie? Moi, je sais pas ce qu'il y a en bas, mais... Oh, j'aurais pas dû... Non, j'ai pas envie. Atreus. Regarde ces traces. J'ai pas envie de vous remonter. Peut-être un sanglier? Je suis pas sûr. Mais je le trouverai. Vas-y. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Désolé, Atreus, mais moi je m'en vais là-haut. Si je peux. Ça se trouve, même pas. J'entends un bruit de bestiole, je sais pas quoi, mais. Comment on y va là-haut? Alors, hop, je descends. D'accord, c'est de la grosse bébête encore. Oh, c'est un troll. Oh, tiens-toi prêt.
pas fait l'un. Ok, il fait blanc. Il fait blanc, le loulou, il fait blanc. Ok, bon alors là j'ai rien compris. Je me suis reclus dans un mur invisible bah, derrière et puis du coup bah, j'ai resté bloqué. Donc on recommence. Voilà. Je vais avancer cette fois-ci. Ah bah je suis contente hein, qu'il y ait une mise à jour de Fortnite, mais là franchement j'en ai rien à péter hein. Plus que ça, sans déconner. Ah, mais attends. Merci de la vie. Continue comme ça. Allez, dame. Allez, bah oui, c'est ça la puissance du Kratos. Ah. Orclume d'Ivaldi, attaque unique puissante. Hop, elle dégage. De l'acide. Alors, est-ce que j'ai des trucs à récupérer? Ah, regardez-moi ça. On peut monter par là. Est-ce que ce serait pas... Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Paf. Ok. Je pensais trouver de l'autre côté, mais c'est pas grave. C'est où la suite? C'est par là? C'est pas trop. Hein. Ah. Quoi? Là, qu'est-ce qui est écrit? Les runes symbolisent les trois nornes. Les nornes? Le destin. Le destin. Alors elles ne peuvent rien apporter de bon. Ok. Ah d'accord. Ah, un, deux. J'ai un temps précis, mais faut que je trouve les trois, hein. Sinon je m'ai trouvé. J'en ai un là. J'en ai un là. On va éviter d'y aller quand même. Hein. J'en trouve un troisième. Ah, il est là. Par contre, il est vachement loin.
un petit peu plus haut. Et voilà. Oh, voyons, c'était long, hein. Compliqué. À mon avis, c'est une pomme pour qu'il soit compliqué comme ça, mais j'espère, parce que... Et oui, c'est une pomme. On va augmenter notre santé. Ah, c'est génial. J'ai collecté 3 pommes. Oh oui, j'ai ma santé qui augmente. Oh oui, et qui en manque bien, en plus. Oh oui, bah c'est bon de pouvoir continuer, c'est ce que je voulais. Bah c'est là, la suite. C'est de l'argent. Atreus, j'attends ton animal devant. Je savais que c'était un sanglier. Ok. Alors rien? Non, ça n'a pas l'air. Tire quand tu es prêt. Bande ton arc fermement. Le cuir des sangliers est épais. Je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit et la flèche a ricoché. C'est un sanglier magique. Qu'en penses-tu? C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape-le. C'est vrai qu'il a une drôle de tête. Il a une sorte de marquage magique dessus là. Jaune. Reste sur tes gardes. Au moins il est protégé. C'est encore ces hommes? Non, autre chose. Oh, regardez, un corbeau moitié bizarre. Ok. Je sais pas trop où il faut aller là. Je m'en doutais. De l'argent. Non mais regardez-moi ça. C'est la caverne Ali Baba là-dedans. De l'argent encore. Ça c'est bon. Il y a aussi des drogards ici. Ils se sont peut-être battus. Laisse-moi passer, gamin. De l'argent. On peut aller où sinon? Un visage. Je sais où j'en suis. 6 sur 9. Il m'en reste plus que 3. J'avance bien au niveau des artefacts, hein, ça va. Ils sont moins compliqués que dans les autres God of War. Ils étaient plus compliqués à trouver, je trouve. C'est peut-être pour ça que les gens ont moins de mal à platiner ce jeu, d'ailleurs. On va aller par là. Lâche-moi. Ok, il va falloir qu'il arrête de s'exciter, il m'a fait peur. Voilà, on voit encore de l'argent. Voilà. Regarde, ça, bon. Il s'est faufilé sous le pilier. Hop. Oh, c'est bon. Ah, le sanglier. C'est bon. Le coude bien haut, la main ferme, on se détend. La précision avant la vitesse. Ouais! Ne le perds pas de vue. Atreus! On peut aller par là. Atreus! Oh merde, on a perdu le gamin. Où es-tu? Dépêche-toi, père! Alors, comment le gosse a monté? Parce que... Oh, c'est un labyrinthe, son truc. Je l'ai trouvé! Par là, là. Atreus! Il ralentit!
Ok, c'est pas par là. Cul-de-sac. Oh, j'aime pas les labyrinthes. C'est... Là, je suis déjà passée. Le problème, c'est que j'ai aucune orientation comme ça, là. Même de base. Attends-moi, Atreus. Il va se faire engueuler, lui, quand le père va le retrouver. Atreus. À droite ou à gauche? Atreus! On savait pas qu'il était à quelqu'un. Il n'est pas à moi, c'est mon ami. Le garçon ne faisait que m'obéir. Alors aidez-moi. Appuyez ici, s'il vous plaît. Appuyez, je vous dis, il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume et vous le tuez. Vous aviez si faim que ça? Je m'entraînais à tirer. Quoi? Il s'entraînait à tirer? Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est de ma faute. J'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir? Je ne le laisserai pas mourir. Vous, la flèche a probablement sectionné une artère. Trouvez les deux extrémités et maintenez-les. Commencez par le côté gauche. Maintenez-le bien. Le côté droit maintenant. Tenez-le bien. Maintenant, rapprochez-les. Alignez-les. Sunan Fokan. Vous êtes une sorcière. Je ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Il ne faut pas qu'il meure. Bien. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Graisse. Par ici. Suivre la sorcière. Allez, c'est parti. On y va. J'espère qu'il n'y avait rien à collecter parce que je pense pas avec le sanglier dans les pattes. Cet arc est un peu grand pour toi, non ? C'est joli, hein ? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. Je ne t'ai jamais vu dans ces bois. Tu dois beaucoup lui manquer. Elle est morte. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres ? C'était son dernier vœu. Atreus. Je suis vraiment désolée. C'est joli, hein ? Franchement, c'est beau. C'est ici. Vous vivez dans un arbre? Pas dedans. En dessous. Emily! Regarde! N'ayez pas peur. Normal. Je lui dis rien, mais on peut pas le déchiffrer maintenant. Atreus. Faites-moi confiance, il ne craint rien. Il est inoffensif. Alors, je sais pas s'il faut faire confiance à cette dame-là. On verra. Vite. Posez-le sur ce symbole. Surveillez-le. Vous vivez seul? C'est mieux ainsi. Mon père non plus n'aime pas trop les gens. Atreus. Quoi? C'est vrai. Tenez-le bien pour qu'il ne se fasse pas mal. Bien. Chut. Doucement. Repose-toi. Il me faut deux choses. Il y a des racines rouges qui poussent derrière la maison. Tu peux m'en cueillir un pied? Quoi d'autre? Écoute.
Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Ça ne te regarde pas! Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. J'en sais quelque chose. Quand ils te trouveront, et ça arrivera, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le garçon exigera des réponses. Ça, c'est mon problème. Quoi que tu caches, tu ne pourras pas le protéger éternellement. Mais tu as raison. Ça ne me regarde pas. J'ai aussi besoin de cardamine. Une fleur blanche qui pousse dans le jardin. Une poignée suffira. Très bien. De la cardamine. Il n'y a rien, je pense. Non. Il n'y a rien du tout. Je pense que c'est cette fleur-là. Ah non, c'est du poisson. Je crois que c'est une fleur blanche. C'est des poissons sur un pic, n'importe quoi. Alors... où est-ce trouve cette plante? Il y a des trucs là qui ressemblent. Oh, c'est pas blanc ça. Non, hop, on refait demi-tour, c'est pas ça. Alors, ah, dans le jardin. Ça, c'est des champs pipi. Je l'aime bien. Tu te rends compte? Elle vit sous une tortue. Tu es trop ouvert avec elle. On ne sait pas si on peut lui faire confiance. Elle a pas essayé de nous tuer. Ouais. Là, non, non. Je ne sais pas. Alors, où est cette plante? Je veux juste savoir, objectif, cueillir la fleur aux pétales blanches. Bah oui, c'est ce que j'ai fait. Mais je me... elle est où? Elle est où, cette plante? Il y aura un autre jardin quelque part. Alors, là, il y a quoi? Il y a rien du tout. Ah, il y a une plante là. Ah. Rejoindre Atreus. Allez hop, on va rejoindre le fiston. Tu peux m'aider? J'arrive pas à l'arracher. Merde, je l'entends. Il est où? Ah, il est là. Avec ça, peut-être. Je l'ai fait tomber. Pendant que tu poursuivais l'animal. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Si je l'avais perdu. Tu l'as déjà perdu. J'y ferai plus attention, c'est promis. Rejoindre la sorcière, on va aller la voir. Je sais même plus où c'était l'entrée. Non, c'est pas là. C'est une fenêtre, ce n'est pas une porte. C'est exactement ce qu'il me faut. Il va pas mourir? Non. Alors nous partons. Attends. J'aimerais te remercier. Tu veux être tranquille? Cette marque te dissimulera aux yeux de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Louina. Louina.
Aime-le. Il y a un raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger. Descendez par ici. Et suivez la lumière. Est-ce qu'on se reverra? Autant que tu en auras envie. Maintenant, file de là. Allez, viens. Ce passage souterrain vous remettra sur le chemin de la montagne. Ok, donc maintenant on a une boussole. Attends, prends ça. Serre-t'en pour t'orienter et trouver ton chemin. D'accord. Elle pointera toujours vers ton objectif. Impeccable. Donc on a une boussole maintenant. Donc moi ce que je propose c'est qu'on s'arrête là, parce qu'on est à déjà 32 minutes de gameplay pour ma part. Du coup on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude vous le savez hein. Mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît, un petit commentaire pour dire votre avis sur ce let's play, me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite des let's play. Sur ce les petits loups, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.